mon coq là, il roule, 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 rouille, rouille, ah, c'est mon coq. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Un peu stressée de conduire ça, mais ça va. Tu as vu, c'est tout petit, hein? Mais finalement... Non, finalement, quand t'es dedans, ça va, ça va, ça va. C'est plus, je sais pas. Déjà, j'avais jamais conduit de voiture électrique. Donc, quand même, l'absence de désordre les déroutant au départ, mais pour l'instant, ça va. Pour l'instant, nous viennent sur deux, ça fait un paquet d'accidents, donc les bon. Alors, toi, t'es une fille du port, t'as grandi ici? Alors, maman a grandi, pas dans ce quartier-là, hein. Maman a grandi à la Zupma. On va aller d'un instant. D'abord, nous, ça va à Manès. Et après, on va cruiser jusqu'à la ZUP. Ça représente quoi la ville du port pour toi? Tout, absolument tout. Mon inspiration, ma manière de vivre, mon énergie, tout. C'est cette espèce de... Comment dire? Tout le monde dit que le port, bah, c'est pas super, c'est cagnard et tout. Et en fait, c'est une ville qu'on connaît pas bien, et en fait quand on la connaît bien, elle est incroyablement génialissime. Et c'est où le rétro là? Comment il garde? Ah, la pointe est là! Il faut garder sur les côtés! Wesh! Non, y a pas de rétro central. Le temps nous guet ça que nous s'amuse la paix pour combien j'aime. J'ai grandi dans le sport, mes parents étaient dans le sport, ma soeur elle est dans une fédé sportive, on est une famille de sportifs. T'as gagné des titres? Mon meilleur titre, 4e au championnat d'Europe, la médaille en chocolat. Pas mal. Et j'ai fait 2 fois les championnats du monde, mais je crois meilleur classement, championnat du monde, 12e. Voilà. Ça c'est mon premier l'école primaire, Gervais Barré, et aussi mon bureau de vote, hein, parce qu'il est important de voter. Et voilà, ici t'es là. On m'a grandi là, voilà, ça c'est... Et la musique alors? T'as découvert la musique, c'était vraiment, vraiment sur le tard en fait. C'est donc moi, je suis partie en métropole en sport-études. Après, je fais mes études. Je suis devenue journaliste sportive et après, je suis revenue à La Réunion travailler. Défunt Christian Lissette m'a fait revenir pour faire le tour des cyclistes et après, je suis restée. Et ben, dans des festins de famille, des choses comme ça, on chantait. Et c'est comme ça, ma la rentre d'un groupe de Maloya m'a fait les chœurs. Et puis dans ce groupe-là, elle avait des musiciens, Joanne Sartaf, que maintenant elle a un très grand bassiste, et Frédéric Arzo, elle joue avec moi. Et ben elle a écouté mes premières compos, elle a dit ben, monte tout le groupe, et elle monte le groupe. Et c'est comme ça que l'histoire a démarré. C'était il y a combien de temps ça? Et ben elle est très simple, je pense qu'il fait 11 ou 12 ans. Ah oui, pardon, ok, ben le loto il est tellement affaire qu'il voit pas le feu quoi. Donc, mais que pas moi. Et Teen Poppy, c'est quoi? Tu peux me parler un petit peu de ce groupe? Alors, ben, Teen Poppy, c'est moi. Tout à fait humblement. Teen Poppy, ben, c'est un groupe de... Enfin, c'est moi, et avec maintenant des musiciens. Surtout Teddy qui reste avec moi depuis toujours. De pop. Et après, je ne me prends pas trop la tête pour le restant. C'est-à-dire, je mélange avec tous les styles qui me plaisent. C'est souvent des rythmes quand même extrêmement... soleil, comme on dit, et après tous les textes sont en créole. Ou les en permanence dans la créativité, les très compétitrices, enfin, moi, mais une compétitrice de base, et on est quand même dans un genre de compétition. Ouais, il faut que vous donne à où pour le public, pour faire des bonnes compos qui plaît à où, pour essayer faire avancer le projet. On a quand même une dimension un peu de défi, quoi. On aime bien qu'on ait un petit défi, là, chouette. On a fait. Elle freine bien cette voiture. Hein. Elle freine bien. Ouais, mais aussi, t'es plus causé là. C'est quoi ton rapport, toi, à la voiture? Oula, c'est une super question. Mais tout le monde qui connaît moi, il connaît que je déteste l'auto en fait. Ma peur de rouler sur la 4 voies. En fait, Miguel roulait normal, dans ville, etc. Mais la 4 voies, il a une phobie. Du coup, quand on a besoin de faire des trajets, il doit toujours demander à moi d'amener à voir les chiens. Moi, je me décide d'habiter en ville pour justement limiter les trajets. Je pense que le fait d'avoir habité à Paris, là, apprendre à moi ce truc-là, d'utiliser les transports en commun, etc., etc. Et du coup, moi, je adore ne pas prendre mon loto, faire toute la même, pas marcher. Moi, elle m'a toujours été attentive à la ville, moi.
Ah ben en fait là, Carlo de Sacco de Graines se met, là, fait un petit compo pour moi. Mm-hmm. C'est la première. Et là on a un peu commencé à la jouer, mais on l'a pas encore sortie. Ça donne... Attends, faut pas m'imaginer des paroles, j'ai ça en vue à moi terriblement. Comme si n'a pris le vent, sorti pour jouer dans le fil là-haut. Comme si n'a pris pas fond, il planira dans le ciel maïdo. Comme n'a pris bien les bonheurs écrits pour un bambou. Comme si j'ai dit l'entrée zetni, les pipas dessous. Comme si un seul avis, il coulera pire dans mon ven. Comme j'ai dit si n'a pris rivière de l'eau, il traîne. Comme soleil, il veut plus briller. Si mon quartier, qu'aime la pluie, des pieds tombés, au moins plantés. Qu'aime tout ça là, nana encore, nana encore. Qu'aime tout ça là, nana encore, out l'odeur si mon corps. Merci Caroline. De rien. À bientôt. Mais oui, c'est ça, à bientôt. Qu'aime tout ça là, nana encore, nana encore. Qu'aime tout ça là, nana encore, outre l'odeur si mon corps.